En cliquant sur la pièce jointe, Sophie, l'agent administratif, a permis au virus de s'infiltrer dans son ordinateur et avoir ainsi accès à toute la base de données de la mairie. La mairie a été victime d'un rançongiciel. Les conséquences de cette attaque sont désastreuses pour la ville entière. Les données ont été chiffrées. Impossible de les récupérer sans payer la rançon, ce qu'il ne faut pas faire car cela alimenterait le crime organisé. S'il n'existe pas de sauvegarde, il faudra reconstituer l'ensemble des données. Dans le cas d'un rançongiciel, c'est tout le parc informatique qui peut être touché, ainsi que les serveurs et les applications métiers. Les payes et les factures sont alors impossibles à établir. La transmission de l'impôt peut être bloquée. Les quittances de loyer ne peuvent plus être envoyées aux locataires de la ville. Les recettes de la ville sont bloquées. Les familles ne peuvent plus recevoir les factures concernant la cantine ou les activités périscolaires de leurs enfants. Tous les services peuvent être impactés. Pour permettre à la mairie de refonctionner normalement, il faut alors tout refaire manuellement, et ce dans tous les services, entraînant un retard considérable. Il faudra compter des mois et des mois de travail pour tout relancer. Mais surtout, cela impacte grandement la population qui ne peut plus bénéficier des services publics. L'interruption du service et le travail engendré pourraient causer une perte financière importante pour la collectivité. Sans parler de la réputation de la collectivité qui risque d'être fortement atteinte. Respectez ces quelques consignes pour éviter un rançongiciel. Ne cliquez pas sur une pièce jointe ou sur un lien qui vous paraît douteux. Ouvrez uniquement les pièces jointes que vous attendez et envoyez par quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez besoin de ce lien, survolez-le pour voir l'adresse de redirection ou copiez-le dans la barre de recherche. Vérifiez le corps de l'email à la recherche de fautes d'orthographe ou de grammaire. Si vous n'attendiez pas cet email, vérifiez-en la provenance. Si vous avez un doute, contactez votre service informatique.